Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V avec Spider-Man. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait de l'angle de vue des méchants. Tu vois, on avait joué avec Electro, on avait joué avec, bref, toute la bande. C'était carrément les Sinister Six, tu vois ce que je dis. Mais là, c'était les Sinister 7 ou 8, ils étaient je sais pas combien. Bref, c'était vraiment toute la bande. Je vous conseille fortement de regarder cette vidéo-là parce que c'est très intéressant. Du coup, c'était les méchants qui remportaient, qui remportaient le combat face aux gentils, si je puis dire. J'aime pas dire ça, gentils, méchants, et bref. Salut les Reyes! Ça fait la muscu. Nous, on n'a pas besoin de muscu, frérot. On est déjà fort. Ah, voilà, il y a un danger là. Il veut me mettre une patate. Qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Tu aimes beaucoup ta passion. La passion, c'est les muscles. Attends, regarde, je vais te coller là. Oh, ça marche trop bien. Je pensais pas que ça marcherait, mais ouais, tu peux accrocher n'importe qui. Bref, le mode Spider-Man, vous connaissez. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être avec tous les amis Spider-Man. Tu vois, le multivers, t'as capté? Alors, on va faire le tour de la ville. On va voir peut-être qu'on va croiser les méchants une nouvelle fois. Je sais pas, peut-être. Il y a des méchants ici. Ok, je débarque. Oh, déjà, on a éclaté le premier frérot. Ah, et des pieds de biche, il y a des flingues. Moi, j'ai des gadgets, hein. On peut utiliser différents trucs. Je vous fais juste un petit rappel, d'accord? Un petit rappel. Voilà, ça c'est un truc, la petite toile, tu vois. T'es là, tu colles les gens directement. Un pote co... Toi, t'es pas censé faire ça, frérot. Mais rendors-toi, t'es un malade, toi. Sale fou. Attends, lui, on va le calmer. Comment ça? Il est accroché, mais à la fois, il bouge. C'est un électron libre, lui. Les drones, ça, c'est pas mal. Parce que du coup, c'est nos hommes de main, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, 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 bah. Ça a flingué tout le monde. Eh ouais, croyez, ça, c'est un Spider-Man de la street. C'est un gangster, ils s'en fout. Y a plus, là, le bail de ouais, Spider-Man ne tue pas comme Batman ne tue pas. Il tue, y en a rien à foutre. Voilà, tu meurs, frérot. Y a quoi? On dirait vraiment, il est en train de monter une échelle, mais ouais, c'est. L'idée est là. L'idée est là. Moi, j'ai hâte qu'il y ait vraiment les GTA 6 et tout. J'en peux plus, hein. Franchement, j'en peux plus. Je crois que j'aurai des gosses quand GTA 6 sera là. Attends! Yeah! Boy! J'adore! Regarde! Waouh! Et ça, c'est l'une des meilleures fonctionnalités de ce mode. Regarde, voilà, il y a un Kemet, il sort de son camion, il sait pas ce qui se passe. Voilà, tu sais ce qui se passe maintenant? Hop là! Voilà, c'est la catastrophe. Viens ici. Attends, hop là. J'ai balancé des flammes contre la personne. Eh, hey, des flammes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ok, les frères, on va commencer à ramener les frérots. Miles, je fais l'appel. Là, c'est Spider Cochon. Je fais l'appel. Et il est présent, j'adore. Là, c'est Spider Gamin. C'est, il vient d'une pub, celui-là. Tu vois, c'est une pub Evian, je crois. C'était sorti à l'occasion de Amazing Spider-Man 2, je crois. Ouais, c'est vraiment le costume Amazing Spider-Man 2, mais en petit bébé, trop mignon, tu vois ce que je veux dire. Bref. Le Spider-Man Maguire. Tobey Maguire, magnifique. Ils ont fait la version comme celui dans Spider-Man PS4, tu vois. Vraiment. On dirait que c'est extrait du jeu, carrément. Il est très, très, très bien foutu. Hein. Et forcément, Andrew. Oh là là, frérot, j'adore. Or, je les appelle vraiment par leur nom d'acteur, littéralement, tu vois. C'est, pour moi, lui, c'est Andrew, tu vois ce que je veux dire. Lui, c'est Toby. Et Miles, il est où? Miles, frérot, voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'incarnation de Miles au cinéma, mais ça aurait été cool, vraiment, avec tout ce qu'il y a de multivers et tout ça, frérot, voilà. Et les reilles, il n'y a pas de bizutage entre nous, hein. On reste tous soudés, d'accord? On va aller voir des méchants. Mais là, je sais pas s'ils vont garder la cadence, hein, parce que là, vraiment, ils sont loin derrière. On a une mission à côté. On va voir comment ça va se passer. Bah! Oh, déjà, j'ai trop kiffé comment je me suis balancé. Est-ce que les frérots, ils vont venir? Ou bien, je sais pas. Vous venez, s'il vous plaît? Ah, je crois qu'ils sont en train de se battre, là. Ah, voilà, ils sont là, les Reyes. Les Reyes, j'ai besoin de votre aide. Ils sont où? Je sais qu'ils sont à côté. Oh, il y a un mec qui vient de se faire aspirer, c'est magnifique. Oh, oh, Miles! Oh, mon héros, t'es mon héros, frérot, magnifique! Ça, c'est beau de voir des Spider-Man à l'action. On aura le droit à ça dans le prochain Spider-Man, sur console, les Reyes. Il y aura des missions en coop, normalement. Il y a eu un leak. On n'est pas sûr, mais normalement, ça devrait être ça, tu vois. Enfin, bref. Ok, les Reyes, je vous éclate, mais bon, là, j'aime pas trop parce que c'est censé être une mission en équipe. Et j'ai l'impression que. Wesh, ils m'ont laissé dans la mer. Voilà le petit bébé! Le bébé! Wow! C'est magnifique! En fait, j'aime bien eux, c'est vraiment par période. Vraiment, ils sont chauds par intermittence. Ils vont réfléchir pendant 30 secondes avant de faire un truc. Oh. Alors là, ils ont fait un truc en équipe. Là, c'était beau, sa mère. Par contre, les autres, c'est des Hamir. Je sais pas où ils sont. Attends, on va les constater. Il y en a un, il va être bloqué dans un mur ou je sais pas où, frérot. Attends, il est où l'autre? Il est où? Voilà, j'ai dit quoi, frérot? Regarde, il est bloqué où? Il est bloqué dans un balcon. Il fait quoi? Tu t'admires la vue? C'est les arbres que tu kiffes maintenant? C'est quoi l'histoire? Moi, j'ai envie de voir les frérots Spider-Man contre les flics. Parce qu'à un moment donné, on va pas se laisser faire. Tu connais? Ah, voilà. Bah, attends, frérot, il y a un petit camion là. Il me barre la route. Tu me barres la route, frérot. You bar my fucking route. Hop là, let's go. On va barrer la route à d'autres personnes. Ou bien on va leur barrer la... Oh, c'est dommage, j'avais envie de viser quelqu'un d'autre. C'est quoi? Wow, on a balayé une voiture, magnifique. Tu balances là-bas. Waouh. Tu sais, le meilleur endroit pour faire ça, c'est vraiment downtown, man. Oh, ok, il y a un Spider-Man qui me rejoint. J'adore, Toby. Je te kiffe, frérot, je t'ai jamais dit ça. I fucking kiffe you, my brother, man. Attends, frérot, deux secondes. Youp là.
Je te tabasse. C'était gratuit. Ah voilà, il a fallu que j'agresse un Spooderman pour que les flics y viennent. C'est super. Mais ils sont en train d'éclater des... Oh, ils éclatent les flics. Oh, je suis trop fier d'eux. Oh là, je suis trop fier de ça, incroyable. Regarde les Spooderman en action. Oh, j'adore ça. Vas-y, éclatez les flics devant mes yeux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, il y en a bien un qui va faire quelque chose. Toby. Oh là, il s'est fait buter avant qu'il débarque. Oh, c'est grave. Oh. Il s'abat sur l'envers, c'est trop. Attends, attends, ah ah, en plus il a utilisé des toiles électriques, frérot. Il est vraiment trop chaud, non, j'adore. Moi juste les observer faire le taf, j'ai rien à faire. Techniquement j'ai rien à faire, juste observer, fermer ma gueule, c'est incroyable. Ils ont fait la vidéo à eux seuls, regarde, il fait quoi? Waouh! Il a balancé un truc, ça l'a déformé comme ça. Tu vois en fait les Spooderman, comment ils sont très forts. Ils ont une force colossale. Normalement, ça débloque un peu les situations, tu vois. C'est comme une onde de choc, tu vois. Tu vois ce que ça fait? Ça les pousse un peu. Normalement, ça a un effet de fou sur les gens, tu vois. Comme tu peux voir sur les véhicules, déjà, c'est incroyable. Regarde. Il est plus là. Je te jure, c'est incroyablement puissant. Regarde. Madame, je vous sauve! Incroyable, regarde. Même eux, je peux les... Ça les tue pas, t'inquiète. C'est juste une onde de choc, tu vois. Regarde le petit bébé. Oh, il est mignon. Allez, dégage ta mère. T'as cru que je suis ton pote ou quoi? Bah on a fait un carnage, hein. Là on peut dire que les Spooderman sont passés par là, ça se voit. Hein. Peut-être si un hélico, je viens, je le ramasse. Ah voilà. Attends, je t'attendais mon ref, attends. Hop là, belle action, magnifique. On l'a déjà explosé, tu balances sur la petite caisse, même si c'est déjà fini pour elle. Hop là, dommage, ça a tiré à côté. Utilise ça sur les autres. Tu crois, je te vois pas. Attends, t'es mort. Oh lolo. Et c'est magnifique, j'adore. Vraiment, j'adore. Bon là, j'ai ramené 5 étoiles, les reilles. Je crois que ça va être le bordel. Là, t'as... il a bugué, lui. Yeah, il se passe quoi, les reilles? Mais ça pète de partout, là. Je comprends pas ce qui se passe. Yeah. Regarde, il y a des GIG. Ça se trouve, ils sont encore vivants. Hein. Ça se trouve, ils sont encore en vie. T'es toujours là, mon ref? Non, je pense pas. Je l'ai monté en l'air, littéralement. Mais pourquoi vous faites ça entre vous? Ils sont en train de se battre entre eux. Regarde, Skin, ils ont fait quoi? Andrew, tu me réponds? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Oh là, ils ont tué Andrew. Ils l'ont hagar. Vous êtes une bande de hagar. Attends, qui c'est qui a fait ça? C'est quoi? Je vais pas chercher à comprendre. Vous dégagez tous de ma vue. Un hélicoptère. Hélicoptère. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'était cool aussi. Oh, c'était vraiment classe, hein. Attends, j'ai dit... Hélicoptère. Mais arrête de choper les gens à l'intérieur. L'hélicoptère, il veut pas. On va tester avec celui-là. Hélicoptère. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, wesh, il est revenu à mon niveau. Attends, frérot, ne bouge pas, s'il te plaît. Je viens sur toi. Hop là. Oh, c'est trop stylé, on peut s'accrocher. Nice. Ah, je peux sortir le mec, peut-être. Oh, j'ai sorti le mec, carrément. C'est trop classe. Je sais pas où il est passé l'hélicoptère, mais il ne fait plus partie de ce monde, en tout cas. Hein. Attends, croyez, on balaye tout le monde, c'est fini, là, vous m'avez fait chier. Hein. C'est bon, là, on a voulu tester 5 étoiles. À un moment donné, vous testez ma patience. Regarde, lui, il est mort. Tout le monde est mort, frérot. C'est quoi cette catastrophe? Le bébé, il est mort, vous l'avez tué. Vraiment, c'est un carnage. J'ai voulu ramener les Spooderman en guise de renfort et de réconfort. Au final, c'est que de la douleur. En vrai, je pense qu'il faudrait retenter et d'aller à la base. Voilà, on retente les reilles. Cette fois-ci, nous sommes à la base. Alors, attends. Vous vous battez pas entre vous, j'espère. Non, ça va. Là, j'ai l'impression ils ont compris la mission. Ils ont compris qu'en fait, l'ennemi, bah, c'est l'adversaire. C'est pas nous, parce que je suis sûr que des fois, j'ai l'impression que c'est pas clair dans leur petite tête, hein. Dans leur petite tête d'homme araignée, là. Ok, Andrew, frérot, t'es bloqué dans le multivers ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le tank! Trop cool, attends, je me mets dessus. Est-ce que je peux sortir le comet de là-dedans ou pas? Ça joue. Oh, c'est trop cool! Alors, je sais pas si je pourrais le conduire, hein. Je peux conduire. ouais, mais conduis bizarre. Tu conduis, mais genre... En vrai, je suis pas sûr, hein. J'ai pas l'impression que ça... Si, wallah, ça marche. Regarde, il est... Miles, il est dessus. C'est n'importe quoi! C'est vraiment n'importe quoi! On sort de là. Non, c'est bon, ça n'a pas de sens. Spider-Man avec un tank. Ça n'a aucun sens. Ok, maintenant, est-ce que je peux le balancer, là? Allez, balance! Le tank sur un autre tank. Tank sur tank. Tank sur tank, ça donne quoi? Oh, thank you. Elle est pas bonne, c'est... Allez, tu le chopes, thank you. Tank on another fucking tank, man. Allez, mais tu sais pas viser, frérot. Faut aller chez l'ophtalmo à un moment donné. Ok, voilà, là c'est bon. Là on est bon. Thank you. Ouais, magnifique, c'est trop bien. Regarde, on va tenter maintenant avec l'avion grand. Là, je pense que j'ai vraiment perfectionné tout ça, regarde. Normalement, si je ne m'abuse... Alors. Voilà, je suis un professionnel.
Allez, va sur le tank. Go on the fucking tank. Mais voilà pourquoi tu rates à chaque fois, mon ref. Non, c'est pas mal. En vérité, c'est plutôt sympathique ce qui se passe. Hein. Alors, increase wanted level. Alors là, je pense qu'on va pas pouvoir respirer. Hein. J'ai ramené 5 étoiles, l'armée, mais genre du mode. Tu vois, il y a un mode King Kong avec une armée, tu vois ce que je veux dire, qui vient très vénère. Et là, je pense que... Bah non, c'était pas une bonne idée, hein, vraiment, parce que là, il y aura un bordel, ça sera même plus visible, on pourra rien faire. Oh là 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 là. Forcément, fallait réfléchir avant de faire ça. Bah oui. Voilà, attends, l'hélicoptère. Toi déjà, t'es mort, ma gueule. Voilà, tu vois. Tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'étais ta chouin, viens par là. J'étais ta chouin, t'es ouf. Ok, toi, tu viens, frérot. Voilà, c'est bien. Hélicoptère contre un autre hélicoptère, voilà. Fais des masterclass, frérot. Ok, j'ai fait une master chasse, ça m'énerve. On ne voit plus rien, sa mère. Mais par contre, j'aurais trop voulu choper un avion de chasse. Je sais que c'est possible. Il y en a qui viennent de temps en temps. On peut en choper un. C'est très dur. Vraiment, ça sert à rien. Ça n'a aucune utilité. Mais c'est juste pour le flex, tu vois. Voilà, il y en a un là. Voilà, je l'ai chopé. Frère. Ta mère, tu fais moi le malin, ta. Non, hey, je te jure, j'ai pas triché. Hein. Bon, on a utilisé la ralentie, mais t'as capté, on a pas triché. C'était vraiment du premier coup. Allez, viens, on se casse. Viens, on se taille, frérot, parce que là, y a plus d'espoir. Littéralement, ça sert à quoi de faire la guerre contre tous ces gens-là? Wow. Oh, regarde, y a un truc qui s'est retrouvé ici. Incroyable. Alors que la base, elle est tout là-bas. D'ailleurs, les potes, ils sont restés là-bas. Hein. Ils sont restés à la base et c'est un peu bête, quoi. Ils ont pas compris que je les ai virés. Bah ouais, c'était juste histoire de tester, quoi. Ok, les frères, on s'est réunis ici parce que cette ville, voilà, on a été contactés par les autorités. Ils ont dit, les spoilers. Venez ici, on a vu que vous étiez là. On a vu une masse géante, pas très identifiable, qui se baladait dans le coin. On s'est dit, on va aller voir, parce que bon, on est là aussi pour rétablir les choses dans l'ordre. Déjà, pourquoi vous faites chier, mon pote? Il a le droit d'être sur la route, non? Voilà, ça dégage. Allez prendre l'air là-bas, allez prendre l'air vite fait là-bas. Yop là! Oh, c'est magnifique à voir ça. Ouh lolo. Ah, vous voulez aller nager? Ils veulent aller à la plage! Vamos a la playa! Voilà, je sais pas pourquoi ils vont là-bas. Mais ouais, c'est cool. Ils ont ressenti un truc. C'est leur sens, c'est leur intuition. Ils disent là, il y a un truc qui se trame. Effectivement, il y a un truc qui se trame, les chais. Ouais, qu'est-ce que tu vois là-bas? Qu'est-ce que tu vois, mon ref? Ouais, les chais, je sais pas, ils sont en train de regarder là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dis-moi. Oui, Speeder bébé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Astaghfirullah! Astaghfirullah! Nom de Dieu, c'est Sandman! Il s'est énervé de vous. En fait, c'était lui, la grosse masse. Oh là là. Oh, j'espère qu'on va pas se faire éclater comme ça. Allez, soulevez-le, les frères, on est quand même 5 ou je sais pas combien, on est beaucoup. Oh là là, vas-y, fais une attaque. Ils l'ont immobilisé. Dis pas, il est mort. Il est quand même pas mort comme ça. C'est pas vrai. Oh, je suis mort, putain de merde. Speeder bébé, tu fais quoi là-bas? Il était en train de nager. Lui, il était dans le bassin alors qu'on était en train d'éclater, le frérot. Ouais, c'est incroyable. Là, j'ai l'impression qu'il kiffe trop l'eau. Je sais pas, ça fait vraiment un point commun avec moi. J'aime énormément l'eau. Et je te jure, depuis tout à l'heure, ils étaient là, ils voulaient partir ici. En fait, ils avaient aperçu le petit salopard. Bon, c'est bien, ça fait un de moins. Parce qu'on a entendu, vraiment, on a entendu. Il y a des bruits qui courent, comme quoi. Il y a beaucoup de méchants qui se baladent dans la ville. C'est un peu embêtant, ça. C'est un peu embêtant, cette histoire. Regarde-moi ça, il est grincheux. Ah, frérot, je suis désolé, c'est pas contre toi. Vraiment, c'est pas contre toi. Les Khay, il me semble qu'il y a deux méchants, très très méchants dans le coin. Et je pense que ça va faire mal. Ok, j'ai cru voir Rino. Oh, Starfaller, Rino. Ça fait longtemps, c'est pas vu, mon ref. Pourquoi il est vénère comme ça? Mais t'es un malade, je te dois du fric ou quoi? Octopus, ça va ou quoi, mon ref? Tranquille. Ok, ils sont très très enragés. Hein. Ils sont très enragés. Ne balance pas cette caisse, s'il te plaît, je vais pas kiffer. Hein. Si tu la balances, oh, là, je... Oh, ok, non, je vais m'énerver. Je vais commencer à te balancer dans le coin, frérot. Mais qu'est-ce qui se passe? Dégage, mon ref. Oh. Aïe. Ok, Rino, lui, j'avoue, il a la puissance. La puissance, c'est la puissance. La puissance. Attends, frérot. Octavius. Oh là là. Ils veulent pas se taper entre eux quand même, ça serait cool. Attendez, moi aussi, je sais balancer des caisses. Voilà, ça m'a... Putain, mais le temps que je la récupère, frérot, je me fais tabasser. C'est quoi ça? Ils sont beaucoup trop forts, les Khay. Attends, on va faire des attaques organisées. Normalement, les attaques organisées, ça devrait fonctionner. Voilà. Lui, elle est... Non, il est pas bientôt mort. Oh non, c'est très compliqué. Rino et Octavius, c'est vraiment trop. Ils ont trop de rage en eux, en fait. Je me suis dit, vas-y, si on met au niveau de l'autoroute, ça va être fun. Mais ça fait beaucoup de victimes. Sur les rails! Oh, incroyable. Ça serait un kill de fou. Il y a un train qui vient, ça les écrase. Oh non, j'ai entendu, frérot, je voulais pas. Voilà, détoile-toi, c'est bien. Toi, par contre, t'es pas mon pote. Oh my god, man. J'ai pas vérifié, mais ils ont peut-être tué un de mes potes. Hein. Vraiment, ils ont peut-être tué un Spooderman. Et attends, il en manque un, non? Des deux? Ils en ont buté un? Effectivement, regarde, il est où, Octavius? Oh, ok, toi, tu veux venger ton pote, c'est ça? Tu veux venger ton pote, regarde.
Oh là là là. Et tu dis que si tu vas sauter, tu vas être épargné. Lâche ce rocher tout de suite! Mais tu le sors de ton cul ou quoi? Oh là là, regarde. Non, c'est d'une violence. Vraiment, c'est incroyable. Il est mort? Ça y est, je crois qu'il a fait un arrêt cardiaque. Je te jure. Parce que je l'ai pas. C'est pas mon attaque qui l'a niqué, hein. J'ai cru voir du coup des Spider-Man morts. J'ai vu des corps. Il y en a que deux en vie. Voilà, il y en a un là. Et il y en a un autre à côté. Oh non, le bébé. C'est le bébé. Et dis pas c'est Andrew qui est mort encore. Je vais péter un câble. Parce qu'à chaque fois, c'est lui là. Ok, là c'est. Ah non, c'est Toby et le cochon. Oh là 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 là. J'ai un copain pas halal. Les Rey, vous avez encore la force de vous battre après qu'il y a trois de vos potes qui sont à terre. Franchement, c'est. Bon, c'est respectable, la vérité. Par contre, je sais pas. À chaque fois, ils commencent à courir vers une direction, on sait pas où ils m'emmènent. Peut-être qu'en fait, ils ressentent. Ils se disent, il y a un autre ennemi là-bas. C'est sûr, ouais. Je pense qu'il y a un truc qui se tremble là-bas, on va voir. Les Rey, on nous a signalé une présence très bizarre à côté d'une centrale électrique. Et il se trouve qu'on est à côté. Enfin, pas d'une centrale électrique, mais en tout cas, un truc électrique. Là, si je dis pas de bêtises, les Rey, voilà, on devrait voir apparaître un truc parce que. Wa subhanallah, qu'est-ce que tu fais là, Electro? Oh là. Ouf. Par contre, là, je vous préviens, ça va devenir violent. Par contre, les frérots, vous voulez bien faire quelque chose? S'il vous plaît? Voilà, commencez à vous bouger un peu. On va les voir tomber assez rapidement, peut-être. Hein. On sait pas, ça dépend à quel point ils sont motivés. En tout cas, moi, frérot, je ne vais pas laisser mes frérots mourir cette fois-ci. Ils sont réveillés de leur sieste. Dès qu'ils se réveillent d'une sieste, ils vont se prendre un KO encore? Attends, on va bien rigoler. Attends, est-ce qu'il va se faire éclater rapidement ou pas? Il y a moyen. Les Rey, je vous cache pas. Hein. Pour l'instant, je me disais, on est tous contre un, c'est mieux que. Tous contre tous, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que autrement, pour le bien de mon PC, tu vois, peut-être qu'on le fera après pour le délire, mais c'est pas une bonne idée. Oh, il est au ralenti, c'est trop mignon! Ça se voit qu'on l'a vraiment ralenti avec nos toiles, pas. Je crois qu'il est mort, hein. Oh, il est mort au ralenti, c'était trop classe, incroyable! Attends, je rêve pas. Ben oui, il est mort, il est vraiment mort, c'est incroyable, c'était très rapide. Hein. Les Rey, me demandez pas pourquoi, mais il y a Venom aux alentours, ouais. Cette fois-ci, c'est nous, on a su, tout simplement. Nos Spider Senses, ils sont devenus complètement fous, et y a pas que lui. Salut mon ref! Ça dit quoi? Ah voilà, tu te présentes au moins... Mais déjà, il a explosé les camions à côté. Et les frérots, vous voyez pas, il y a un méchant là? Il y a un méchant, faites quelque chose! On va charger de lui. Oh, il m'a planté le bâtard. Mais arrête de planter les gens, j'ai pas kiffé. Déjà, avant, on était pote avec lui dans notre vidéo, il nous a planté. Nelly, oh là, c'était une mauvaise idée de venir au niveau du point. Regardez ce qui se passe déjà. Oh là là. Je pensais qu'on serait à l'aise ici, hein. Pas du tout. Ok, man, ok. C'est un bordel. Et je vous jure, c'est un bordel cette vidéo, je suis mort. Ah, voilà, il est là le frérot! Attends mon ref. Que se passe-t-il? Alors là je suis en feu. Les frérots ils font rien. On dirait c'est même pas mes potes. T'inquiète, ils vont se réveiller dans pas longtemps. Dans pas longtemps peut-être ils vont capter. Attends, je vais vous réveiller. Il est en train de me bouffer. Les Rey, réveillez-vous. Réveillez-vous, Unamar. Voilà, je suis en train de les envoyer dans le décor. Oh non, non. Mais il va m'éjecter du truc là. C'est pas possible de faire ça. Arrête de m'éjecter mon ref, c'est mon pont. C'est... Oh, trop stylé. Mais ça va se finir sur la côte cette histoire ou quoi là? C'est romantique quand même. Allez non, on va se remettre sur le pont quand même. Allez, par contre mes potos, je suis pas prêt de les revoir. Malheureusement je crois qu'ils vont rester en bas. Ils sont tellement teubés. Mais oh, il est devenu fou lui. Il est devenu complètement fou. Eh mais arrête de me tourner autour là. Si c'est pour me donner de tourner, t'as réussi. Ah Venom il est en dessous du pont. Ah je suis sûr il est dans l'eau. Bah maintenant mes potes ils sont là-bas. Bah là, c'est pas juste ce que vous faites là. Attends, je rejoins mes potes. Ils sont dans l'eau. Et voilà, ils sont dans l'eau, c'est mal. Attends, on va aller voir. Ah non, c'est Venom ça. Où sont mes amis quand même? Parce que c'est un peu triste là cette histoire. Ah voilà. Les frérots, vous savez pas nager ou quoi? Oh putain, il a écrasé avec son truc. C'est malade. Les Rey, déjà c'est pas juste. On a du mal à se retrouver entre nous déjà. Et vous profitez de nous. Ah non, mais vous voyez pourquoi je les ai pas tous ramenés à la fois? Parce que là c'est trop. Vraiment c'est trop. Qu'est-ce que les voitures font ici frérot? T'es paumé toi? Tu veux que je t'aide à retrouver la route de chez Watt ou quoi? Allez, on place, ça dégage. Normalement, ça devrait servir... Oh, j'allais le balayer sa mère, hein. Mais regarde, il y a Venom, il est de l'autre côté, nous, on est là. Oh, il est mort! Mais à chaque fois, je rate, c'est pas possible! Franchement, ça, c'est pas juste. Ah, mais il y a encore son truc. Comment on fait pour le détruire? Lui, il continue de le défendre. On peut pas le détruire, techniquement. Oh, le salaud. Et en plus, regarde, il est en train de prendre Spider Cochon. Oh là là. Même si c'est pas un pote halal, c'est pas grave. Tu touches pas, ma gueule! J'ai dit, tu touches pas, man! Attends, je vais te balancer des flammes dans la gueule, on va bien rigoler. Est-ce que c'est considéré comme un véhicule ou pas? Ah oui, normalement. Oh, c'est trop cool. Je suis en train de me battre contre un vaisseau. Tu te rends compte ou pas? Là, c'est n'importe quoi. Toi. Ah, mais normalement, c'est pas considéré comme un véhicule, tu vois. J'arrive pas à mettre la main dessus. C'est très compliqué. Là, littéralement, il fait un barbecue de Spider-Man. Je rêve. Venom! Viens si t'as des couilles. Regarde où il est, ce con. Attends, j'arrive. Et je vais régler ton cas, là, deux secondes. Voilà, on est tous en train de nager en slow motion. Mais donnez-nous un peu la paix, je sais pas, moi.
Et Venom ! T'es où, Venom ? Ah, il est là. Qui c'est qui gueule, c'est Venom ou c'est moi là ? T'arrives pas à comprendre. Bon, bah, on va la faire à l'ancienne, hein. Dans l'eau, frérot, peu importe le lieu, frérot, peu importe le lieu de rencontre. Je te prends 1v1 comme un poisson, frérot, t'as cru quoi ? On est dans le monde de Nemo ou c'est quoi ? Frérot, comment ça va se passer de se battre sous l'eau ? C'est n'importe quoi. Là, je peux rien faire, vraiment, là, je peux rien faire. Ah, par contre, je vous jure, je crois qu'il est mort. Je vous jure, je crois qu'il est mort ! On va trouver son corps, peut-être. Parce que je le vois plus sur la map. Donc, en vrai, c'est un win, hein, déjà. Franchement, malheureusement, introuvable quoi. Bon, les Khay, je vous préviens, les méchants, ils ont dit qu'ils en ont marre. Ils nous ont donné rendez-vous. Parce que oui, ils sont pas morts, frérot, on les a juste fait chier. Ils ont dit, bon, là, on se réunit vraiment parce que là, vous nous avez pris en traître. C'est vrai, on les a pris un par un ou deux par deux, des fois, ils baillent comme ça. Là, ils nous ont dit, vous tous contre nous tous. On a dit, bah oui, les Spider-Man, ils arrivent à la rescousse. Et effectivement, j'ai un peu peur de la suite, les Khay. Parce que la dernière fois qu'on était venu ici avec les méchants, ça s'était pas très bien passé, hein. Là, vous êtes prêts ou pas, là ? Là, on fait juste un débrief. Spider bébé, déjà, tu te bloques dans des bails, là. Non, c'est pas cool. C'est pas carré. Et toi, tu vas où, frérot ? Tu voyages, t'es trop ambitieux, là. Oh, une chose est sûre, il faut s'organiser. Spider bébé, tu fais le bébé. Tobey Maguire, il faut faire ressortir le boulier qui est en toi, tu comprends ? Quand je te parle, frérot, s'il te plaît, réponds-moi, d'accord ? Frérot, toi, t'as pas pu sauver ta meuf. Essaye de nous sauver, d'accord ? Au moins. Si tu peux faire ça, ça serait cool. Miles, mon ref, toi, t'es le gars sûr, d'accord ? Toi, t'es vraiment... T'es la relève, parce qu'on est tous un peu... On est tous un peu éclatés. Non, c'est pas vrai. Là, la relève, c'est les types, là. C'est... c'est les types. Spider cochon, toi, frérot, juste... Fais le taf, écoute, comme d'hab, hein. J'ai envie de dire. Non, ça a toujours été carré. Spider cochon, magnifique, hein. Rien à dire. On a tous quelque chose à se reprocher, sauf Spider cochon, la vérité. Bon, les Khay, tout le monde est là. Enfin, je crois. Ouais, là, on dirait vraiment que tout le monde est là. Alors là, honnêtement, je crois que mes potes sont morts, hein. Ils sont déjà morts. Attends, il reste qui concrètement là ? Reste qui ? Parce que là, sur ma map, je vois qu'une seule toile. Oh mon dieu, attendez, c'est pas juste. Je suis tout seul. Attends, c'est qui le dernier ? Me dis pas, c'est Spider bébé, hein. Franchement, je vais péter un câble. Attends, frérot, il faut que je cherche le dernier Spider-Man. Tu veux bien m'aider, mon ref ? T'es où, ma gueule ? Il est juste là. Il est dans le coin, apparemment. Il est en train de s'attaquer à eux. Oh là 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 là, les Khay, voilà pourquoi je voulais pas tous les ramener à la fois. C'est une hagra de fou, ils se mettent des hagras entre eux déjà à la base. Non, c'est invivable. On peut pas gagner. Des Spider-Man contre tous ces méchants, c'est mort. C'est vraiment mort. Non, c'est trop. Yeah, oui, les Starfallah. Oh, attends, c'est qui? C'est Tobey Maguire, le dernier. Mais c'est un survivant de fou malade. Alors là, je vous dis honnêtement, je sais pas comment je vais faire, hein. On va essayer le bail des hologrammes. Non, les hologrammes, ça devrait marcher. Regarde, tu les mets comme ça. Voilà, regardez, allez attaquer, regardez, vous voyez pas? Non, je pense qu'ils ont vu, mais ils s'en foutent, hein. On a perdu, la vérité, on a perdu. Bon, attendez, je vais essayer d'une manière bizarre de ramener mes frérots. Ok, normalement, les frérots sont de retour. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Attends, déjà, est-ce qu'on les voit à l'écran? On a du mal à voir qui que ce soit. C'est trop! Je te jure, je les ai re-ramenés, mais je les vois plus. Attends, ah, voilà, Miles, oui, il fait une belle action. C'est bien, frérot. Écoutez, les Khay, la seule différence, c'est que là, ils sont tous ensemble. Mais on peut les éclater, on l'a déjà fait auparavant. Et ce Spider-Man, il est trop mignon, il fait quoi ici? Mon ref, on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide. Attends, il n'y a pas un Superman qui peut nous aider dans le coin? Malheureusement, non. Il peut installer une mode Superman. En vrai, c'était une bonne chose que je puisse vous montrer les trucs à part. Parce que au moins, ça vous permet de voir de quoi ils sont capables. Il y a juste le vautour qu'on n'a pas vu à part. Mais ça fait pas de diff. Il est très fort aussi, il est très chiant. Je pense tout ça pour dire, les méchants sont trop forts. Franchement, c'est mort. Et là encore, on a un god mode et tout ça. Autrement, on serait mort 20-30 fois. Bon, voilà, la vérité. Ah bah au moins, Miles, il est là, ça fait plaisir. Voilà, les Khay, hop là. J'ai pas envie de vous prendre dans mes toiles, mais au moins... Ah bah voilà, regarde, ils sont pris dans les toiles. Oh, c'est bien ça, c'est bien ça. Tu crois que je l'ai éclaté? Je te jure, je crois que je l'ai éclaté. On a éclaté vos tours. Non, franchement, c'est déjà ça. C'est mieux que rien, les Khay, ok? C'est bizarre, je sais pas où ils sont passés les autres. Je crois qu'il y a eu un bug, ils ont disparu. Sandman, je le vois plus. Pour moi, c'est impossible qu'on l'a buté, vraiment. Sinon, on verrait une énorme masse dormir au sol. Et Electro aussi, je sais pas comment il est mort. En tout cas, moi, je l'ai pas tué, hein, ça c'est sûr. De toute façon, la vérité, c'est que même si on éclate tout le monde, il va rester lui. Le pire méchant, c'est le petit vaisseau. C'est le petit vaisseau du bouffon vert. Là, c'est trop. C'est
c'est vraiment une plaie ce truc, jusqu'après la mort. Genre, même si tu le tues, il va rester. Et c'est un héritage terrible. J'ai pas envie de finir la vidéo tant que t'es pas par terre. Sois à terre, frérot, s'il te plaît, et arrête de me faire mal. Oh là là, à chaque fois, il nous envoie je sais pas où, mon ref, c'est trop là. Vas-y, attends, on va t'entoiler, mon ref, c'est bon, on va te mêler. J'en ai marre de me laisser faire, hein. Je te jure. Je vais pas te laisser me placer quoi que ce soit. Voilà, t'es mort. T'es enfin mort. Oh là là là. Allez, vas-y, va dans le décor maintenant. Tu m'as trop énervé. Tu m'as trop énervé. Ah bah dommage. Attends, comme ça. Ah voilà. Te mets à la mer, croyant. Ça te va? Allez, va nager. Oh là 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 là, j'espère qu'il y a un gros requin qui passe par là. Bon, moi, je trouve que c'est une très bonne fin de vidéo. On a fini avec la relève et avec la plaie qui est ce vaisseau, j'en ai marre. Bref, techniquement, moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Les méchants sont trop forts. En tout cas, eux là, réunis, ils étaient trop forts. J'aimerais quand même avoir vos avis si vous pensez vraiment s'il y avait un combat tel quel dans un film ou dans des comics ou quoi. Qui gagne? Qui gagne, les frères, vraiment? Mais sachant qu'en vrai, Miles, en soi, il est très 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 fort. Je crois... C'est peut-être le plus fort des Spider-Man. Mais avec ce mode, il peut pas exploiter vraiment tout son pouvoir. Il peut être invisible, il peut avoir le pouvoir électrique, des bails comme ça, bref. Mais ouais, non, c'est intéressant, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Bref, prenez soin de vous, je suis une vidéo. Peace!